We found him. Birdie was right. He's in Hope, South Dakota. And the girl? She's not with him. Okay, people, listen up. I'm giving a green light on this operation. I want 47's head on a platter in front of me ASAP. Sir, don't you think that our priority is on reacquiring the girl right now? No, Jade. First, we neutralize the rogue element that started this mess. He'll know where she is. Trust me. We get 47. We get the girl. We can't afford to fuck this up! It's time to send in the saints. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on nous réserve? From under Dexter's nose, sell her off ourselves. And Tyler, he's already in touch with the competing arms company. We're talking six figures, man. Damn it. Mr. Dexter is not someone that you want to mess with. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre 13e épisode de notre Let's Play sur Hitman Absolution. On a enlevé la cravate rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais on l'a enlevé, c'est cool. Donc, précédent épisode, nous avons récupéré nos guns d'une manière un petit peu, on va dire, peu orthodoxe. En gros, on a essayé de bien s'y prendre, mais au final, ça n'a pas marché. Donc, on s'y est pris comme des bouses, hein, c'est qu'à le dire. Et du coup, on a retrouvé la trace de la patte folle. Hein. J'ai perdu son nom, je suis désolé. Et du coup, bah voilà, on est avec ses potes, on voit qu'il est rentré chez le barbier à midi, comme prévu, on nous l'a dit dans le précédent épisode. Et du coup, bah on va y rendre une petite visite. Je sais, j'ai dit 3 fois, et du coup, voire 4 fois. Et mais voilà, ça vous plaît pas, c'est pareil. Bon, alors, on va peut-être faire une petite diversion, essayer de pas rentrer dans le tas. Ces deux-là, de toute façon, il faudra se les faire à un moment ou à un autre. Ah, ils sont tous là, en fait. Ils sont tous là, on va essayer de les faire d'une manière un peu... Hop. Oula. Une brique. Hop. Je peux l'attaquer. Voilà. C'était pas spécialement prévu dans le système de base, mais disons qu'en fait, j'ai envie de me déguiser en flic pour passer inaperçu. Oh putain, on a la cible. Allez hop, ça c'est fait. Siffle rempli, corps caché et mort silencieux. J'ai envie de dire là quand même, on a fait un putain de jackpot les amis. Hein. Alors, on est tranquille pour le premier gars à buter. Le deuxième, il est par là-bas, on va y aller tranquillou. De toute façon, je suis déguisé en flic, c'est-à-dire que là, ils peuvent rien, vraiment rien me faire du tout. Donc c'est une très 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 bonne chose. Hop. On passe un peu incognito, histoire de... On va saboter ceci.
On a eu très chaud là. On a eu très très chaud. Je peux pas y aller. Hop. Petite diversion. Et on va passer par ici. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais j'ai envie de passer par ici, les amis. Histoire de contourner un petit peu les choses. Changer contre un couteau. Bah ouais, clairement. Ouvrir le gaz. Ah, j'aime bien ça. Hop. Oula. On est dans les bureaux de la police, j'ai l'impression, en fait. Les chiottes comptent toujours la classe. On n'a rien d'autre à y faire. On a notre cible ici. Et à sa place, je... Tu fumes ou pas, moi, mon pote? Pour savoir. Allume-toi une clope. Non. Bon, il fume pas. On va le suivre. On va le suivre et on va intervenir rapidement. Tuer la cible. Bah voilà, j'ai envie de dire. C'est fait. On va le traîner, histoire d'être peinard. Est-ce qu'il y a un moyen? Ouais, on va le cacher dans l'armoire. Cacher. Hop, ça c'est fait. Également, on prend le point de contrôle. Tac, et voilà. Bon. Enchaînons pour le dernier. Et à mon avis, on va voir la visite des gars de l'agence. Je le sens bien. Le gaz est ouvert, toujours. On va passer par ici. On se la joue discret. À moins qu'il y ait des trucs à récolter dans le coin, mais j'en doute fortement. Et on va sortir. Bon. Un petit coup d'instinct. Le gars, il est toujours là-bas, mais il s'approche. On va voir où est-ce qu'il va aller. Ici, d'accord, bon. Le mieux, ce serait qu'on redescende. Déguisement suspect. On va se barrer. Stop. Don't move. All right, now don't do anything stupid. Personne ne se rend. Voilà, bon, ça c'est fait. On a un point de fuite ou pas ici? Voilà. On va se barrer, de toute façon, je suis pas grillé pour autant. Il a pas eu le temps d'appeler ses amis. Donc, c'est bueno. J'ai récupéré la preuve de toute manière, c'est ce que je voulais. Donc je voulais descendre. C'est ça que je voulais de base. Ça s'est vraiment bien passé, je m'attendais à quelque chose de pire qui déclenche un bordel monstrueux encore une fois. Mais non, ça va. Donc, plutôt content. Sortir par là-bas. Donc j'ai ouvert le gaz, mais j'ai toujours pas fait quoi que ce soit. Pour que ça pète, faut pas me demander. Il y a un mec qui est suspicieux, il a trouvé le corps, j'imagine. Ouais, c'est ça. Corps découvert. En même temps, dans les chiottes, pour le planquer, c'était un petit peu compliqué. Donc, on quitte la zone.
Et le mec, il est dans l'appartement d'en face. Donc on va y aller. Tranquillou. Alors s'il y avait un snipe ou un truc comme ça, je me serais fait un malin plaisir à... de le faire. Garde en alerte. Bon, ok, tant mieux pour eux. Hein. Ouais, il va passer par ici. Putain, il va retourner là-bas, le mec relou, quoi. Le mec over relou, quoi. Si je sors mon flingue ici, ça fait vraiment pas bien. Bon. On va aller dans le barbier, monter à l'étage, ça me semble pas trop mal. Par contre, la jauge d'instinct est pas super en forme. Ok, allez. Heureusement qu'elle baisse lentement. Ah, contre une bouteille. Ouvrir le gaz. Oh oui. Explosif à distance, j'aime aussi. Bah ok, bon, on va poser ça... Ici, ça me semble pas trop mal, hein. Et on va le laisser revenir tout seul, comme un grand. On lui prépare la petite surprise. Vous en pensez quoi? Alors là... Ce serait bien qu'il y ait une autre sortie, en fait, parce que les mecs sont tous un peu chauds, là-bas, là. Tous un peu chauds. Il y a un mec qui va venir dans le coin. Une bonne diversion n'empêche, mais j'ai envie de lui dire, le gars, il va passer par là aussi, d'accord, ok. Passer par ici. Il n'y a rien à choper. Si en haut il y a un truc à choper, on a le temps avant qu'il revienne. Ah, j'aime bien, il y a un snipe. Bon, hop, on déclenche l'explosif. Ça explose. Je récupère ce petit truc-là. Le mec, il est par là-bas. Donc, ça serait pas mal. Qu'il bouge son cul. Qu'il bouge son cul. Allez, il va rester dans le coin, super, on va l'attendre un petit peu plus loin du coup. Mais j'ai récupéré un bon sniper, les amis. Et ça, c'est très très bon. Et vous la porte pour moi. Il y a des flics partout, ils sont tous chauds là. Ils sont tous chauds. Du coup on avance. Le mec est sur l'autre côté. C'est con, j'aurais bien aimé vous le faire au sniper, mais en fait sinon je crois qu'on va l'attendre assez longtemps. Et ça, ah d'accord, parce que lui il est en alerte en fait, du coup je suis bloqué, j'y crois pas. Il y a un putain de mur invisible. Et c'est fermé. Attaquer avec ça, j'aimerais bien. Hey, douchebag, you might want to look the other way.
Mec, il se chauffe ou quoi? Allez, je sais pas comment on pourrait faire. Remplir vos objectifs pour avancer. D'accord. Quoi, t'aimes pas que j'ai un bidon d'essence à la main? Allez, sois fun. On va le faire de manière... Hop. Totalement classique, du coup. Pour cacher le corps là-dedans. Wow, Osef. J'ai envie de dire Osef. Allez, zoom. On crochette la serrure. Et on y va. Deuxième partie de la mission. Le salon de coiffure. Bon, il y a des gars à choper. Hop, on descend. On est maté, hein. On est bien maté. Il y a des flics partout. Ok, ok. J'ai pas eu le temps de lire. Détacher les câbles. Et du coup, on peut... se hisser. J'espère qu'on sera pas chopé. D'accord. Ah, on peut monter. J'allais dire, merde, on fait quoi empereur après? Ok. On est à l'intérieur, super. Souvenez-vous, nous avions ceci. Je suis repéré. Allez, monte. Ah, je suis même bien repéré en fait là. J'ai fait la coche. Hein. Mais je pouvais pas résister en fait à un moment. Hop, et je vais me planquer là-dedans, histoire que ça se calme un tout petit peu. Parce que là, tout le monde, ça y est, tout le monde est au courant, on le voit sur le sonar. J'en ai eu un, mais tout le monde est au courant. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième commence à se rapprocher. Alors... ils convergent un petit peu tous vers moi. Donc on va les laisser avancer tranquillou. Apparemment le mec a changé de niveau. Je sais pas ce qu'ils font là. Ils vont tous sortir. Ils sont là sur le côté. Ouais, ils sont là, ils me cherchent. Ils me cherchent, c'est pas bien grave pour l'instant. Hein. Le seul truc, c'est qu'ils m'ont un peu repéré, il faudrait que je me déguise autrement, donc j'en arrive à choper un gars... un gars dans un coin. Hop, et à mon avis, ça va durer un petit peu de temps. Bon, les amis, ça fait 20 minutes que nous sommes ensemble et j'ai envie de vous dire que on va se retrouver dans l'épisode suivant. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Je ne bouge pas, j'en prendrai l'épisode suivant même instant, c'est-à-dire au même endroit, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous retrouver sur Facebook, Twitter et également sur inrealgame.fr. Vous pouvez également, encore une fois, vous pouvez commenter et également nous ajouter des petits pouces verts si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao.